Voilà, ça devrait être un peu mieux. Je bascule totalement à l'arrache sur le live, mais totalement. Je m'entends en triple parce que je l'ai aussi sur mon téléphone et sur mon navigateur. Voilà, je ferme, ça va être mieux. Et bonjour tout le monde, même s'il n'y a personne. Alors bonjour personne. Je suis avec Flo et Morgane. Et c'est tout pour le moment. Officiellement on est 4, mais pour moi on est 3. Où est-ce que tu vas? Il y aurait bien de la jadise, messieurs, ici. Regardez, je vois des petits points verts. J'arrive. Oui, tout à fait, mais Flo. Ah, bah salut Kenton qui est quand même avec nous. Je vais quand même garder mon chat à côté, à portée de visibilité. J'arrive, les lumières à la maison. J'arrive, deux secondes. Là, va chercher. Il faudra que je revoie avec le signe parce que je ne pouvais pas changer mes réglages sur OBS. Je ne sais pas pourquoi. Donc officiellement, je joue à Hands of Merlin, alors que pas du tout, mais pas du tout. Oh, c'est bien, hein. C'est qui qui joue Merlin? Toi, tu fais Guenièvre? Non, je vais faire Arthur, je préfère. Même s'il est mort dans le jeu, mais... Bah, pas dans le jeu, il meurt tout court. Oui, non, mais dans End of Merlin, quand tu regardes l'histoire, ah oui, Arthur est mort. Je sais pas, j'ai pas regardé le jeu encore. Encore de la jadise. Oui, oui. J'ai eu un gros lag. Oui, c'était un gros lag. Dans cette mission, il y a de la jadise. Et oui, Kenton qui demande qui fait Lancelot. Graze. Ouais, comme il est pas là, les absents toujours tort. Oh merde, j'ai encore une arme qui est pas bien sélectionnée. Oh chier. On s'en fout, c'est pas grave. Lance-grenade, ça fait longtemps. C'est juste que je sais même pas s'il est... Merde, raté. Pas raté. Ah, est-ce que tu connaissais Deep Rock Galactic, Kenton? Je suis pas sûr que sur 119 minutes il joue à Deep Rock. C'est juste Arc, je pense. Bah, très bien, tu ne connais pas le jeu, bah tu vas le découvrir. Alors si t'entends pas les autres et tout, faut me dire, hein, peut-être que je re-règle mon OBS ou mon Discord. Je suis totalement à l'arrache, mais alors... Totalement. Messieurs, quoi? Bah regardez votre HUD. Là bah tu vas découvrir ce que c'est un détonateur monstrueux glyphide, Kenton. J'aurais préféré un doré. Ah, vous avez commencé? Ouais. On va pas t'attendre 2 ans, hein. Moi j'ai mangé des crêpes. Attention, ça va péter. Voilà. Tiens, coucou Dacus. C'est donc ça, effectivement. Le son du jeu en double. Ah bah... Comment ça, le son du jeu en double? Peut-être avec un sporeur, soldat, un G. Je manquerai un doute. Ah, attends, je pense savoir pourquoi. Ouais, je sais pourquoi. Ok, pourquoi? Voilà, ça devrait être mieux là. Un éclateur, c'est quoi ça? Pardon, j'ai mal ping. Ah, no man. Donc on est en live sur Twitch, hein, Graz. Hein. Renfort en approche, j'arrive. Ouais. Bah sois poli quand même. Quoi? Ah, je te dis sois poli, on est en live. Je suis poli, ça veut dire renfort en approche. Et puis la politesse déjà c'est pas quelque chose qui existe dans les lives de base. Et c'est surtout quelque chose qui n'existe pas chez Navo. On est pas poli. C'est vrai. On est pas poli. C'est sympa mais pas poli. Mais c'est un omen ça. Il paraît. Si vous avez des... Attends, déjà... Ouais, strictement
Alors R. Ça a été rentré de vacances, Zacus. Quelqu'un peut mettre une plateforme là-bas que j'aille chercher l'or. Sauf si vous avez une Vira or. Tiens. Bah attends, depuis tout à l'heure j'étais. Si tu veux, il y avait pas de scout, donc j'étais pas en mode plateforme. Maintenant que t'es là. Ouais, j'ai pris le scout. Donc, je me suis fait violence et je joue scout. Il n'y a plus qu'une pile à enfoncer pour le main. Ouais, je termine de prendre l'or qui est en dessous aussi. Je vais tout déposer et je me prépare. Je récupère de la nitra. C'est un domaine avec quoi? Il y a des. Il y a des coupeurs, il y a un éclateur. Une double de coupeurs, éclateur lourd, un canon de son. Rien de bien chiant. Ok, il n'y a pas eu de rôle. Modus. Attends, je viens de l'appeler. Deux secondes. Ah, oui, j'ai envie de la suivre. Ah oui, d'accord. On vide les popoches. Est-ce que l'ingénieur pourrait faire un petit pont pour aller de là à là? Parce que ce trou est pas pratique pour le mouvement. C'est vrai. C'est vrai. Je vais. C'était quoi ça? Ouais, je suis pas en 60 FPS. Je pensais être en 60 FPS sur Twitch, mais non. Est-ce que je peux changer ça? Quand même s'abriter là. Pas sûr que je puisse. Je vais regarder. Est-ce qu'on peut changer ça quelque part? Ouais, je maîtrise pas très bien OBS. C'est vrai que c'est foreuse d'être en train de piquer tout le terrain. Ah ouais, alors je dois pouvoir, mais faut que je coupe. Attendez, je vais couper vite fait. Ah bah, c'est de la mort. Non, bah non, je peux pas. Il faut que je coupe le live, donc on va le faire. Ouais, nous les ingénieurs. Un petit pont là. Pardon, ouais, un petit pont, pas de problème. Merci. Y va, go! Si vous êtes pas prêts, c'est pareil. Oh, ça va être chaud. Aïe, je me fais défoncer. Mais bon. La mitraillette va ne servir à rien ici, de toute façon. Oh là. Je suis visé. Je m'enfuis. Ok. J'attends que mon copier revienne et je vais te sauver. Merci. Ouais, moi j'ai pris méga cher. Ah non, vas-y, ressuscite l'amned d'abord. Vous avez compris. Vous l'avez lancé un petit peu alors que j'étais pas du tout prêt, mais bon, pas grave. Ok. Merci. Il y a des glyphes qui arrivent derrière, je vais essayer de les arrêter. Voilà, j'ai été mangé par les glyphes. On est en difficulté combien? 3. Parce que là, il y a 40 glyphes qui sont tombés dessus. Démerdez-vous avant que je crève pour de bon. Je suis mort pour de bon. Ouais. Hop là. Ah putain, c'est bon. Okay. Moi j'ai un Steve qui essaye de faire le ménage. Ok. J'attends que ça ouvre, j'essaie de lancer l'impulsion radiale. C'est bon. L'impulsion radiale c'est fini. On va vous ressusciter. Ouais, enfin y'a quand même le canon d'au-dessus qui fait mal hein. Ouais mais il nous vise beaucoup moins que... C'est sûr. Ouais, j'ai pas trop le temps de vous expliquer comment se fonctionne cet event, hein. Je suis désolé. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, Dacus le connaît, mais je crois que Dacus est plus là. Alors, faut activer.
Oh, il est bugué. Non, il est pas bugué. Je suis coincé, je tire dessus. Enfin, je vois plus les c'est bon. En fait. Terminé. À 14 secondes, à 14 secondes. Ah ouais, mais c'est terminé. J'ai pas un deuxième ravitaillement. Oh, tu peux, hein. Je pense. Alors, qu'est-ce que je prends? Moi, j'ai le droit que des cosmétiques, super. Oh non. J'ai tous les overclocks ou quoi? Un overclock instable. Oh, et moi, j'ai un truc pour mettre dedans. Un overclock propre, moi, pour Merci Victor d'avoir changé les infos. Enfin, le signe. Je suis tellement bugué. Faudra que je joue avec toi, parce que dans OBS, je n'ai pas les infos. Donc si je comprends bien, le signe s'appelle Victor. Peut-être, peut-être pas. C'est un peu mystère. Sont jamais. C'est le bait. Doucement avec le truc à glace, hein, doucement. Comme ça, est-ce que tu t'appelles vraiment Flo? On va rester en première ligne si tu dis ça. Oui, Flo est mon vrai prénom. Il y aura une partie de mon prénom. Ouais, ouais, parce que c'est pas le vrai, hein. Non, j'ai un prénom composé. Mon vrai nom, c'est Louis Gérard de Florence. Florence. Encore de la jadis. Salut Soren, qui vient nous faire un petit coucou. T'as vu mauvaise langue, tu disais qu'il y avait personne qui allait passer. C'est vrai, j'ai dit ça se trouve. Bah, en lançant à l'arrache comme ça, bon. Mais finalement. Mais ouais, je note, je le ferai directement sur le site de Twitch la prochaine fois. Parce que je pouvais le, non, mais je pouvais le faire via OBS, mais j'ai plus le. Il y avait une... Je pouvais faire apparaître la fenêtre, mais là ça veut plus. Je ne sais pas pourquoi. Tout à fait, du nain du bourrin, tu l'as dit. Un crasher. Du coup Kenton, ouais, si tu connais pas le jeu, c'est un jeu coopératif avec des nains, 4 classes différentes. Et puis tu pars en mission faire plein de choses. T'as des missions, t'as différents types de missions. Le but c'est de buter de l'alien, miner des ressources, globalement. Ah, par contre je suis plus en morphine, donc je vais pas aller voilà. J'ai pas envie de faire une explication. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube si tu veux voir exactement ce qu'est le jeu. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. Je crois qu'on a une morkit. Alors moi j'ai 62 morkit pour moi et quand il y aura la mule, oui, je pourrais en mettre encore plus. On a un scout, effectivement il est là, c'est Graz. Je vise là. Ouais, je vais l'arriver. J'appelle la mule sur moi, je pose. Vas-y, vas-y. Ouais, je vais rester à côté de toi parce que j'ai bien des choses à poser moi aussi. Appeler la capsule, merde, non, c'est peut-être pas ça que je veux faire. Ah, bon, je l'appellerai après, je peux pas y accéder. C'est bon, c'est bon. Ok, attrapeur est mort. Ah, l'un des deux attrapeurs est mort, il y en a un deuxième. Ouais, il y a un deuxième. Il est où l'autre vers vous? C'est bon, ah bah voilà. Merci beaucoup, le signe. Détonateur monstrueux Gifflid, en approche. Encore? Oui. Putain, deux dans la même mission, bordel. Bon, oui, c'est possible. Oui, je sais que c'est possible. Je croyais qu'il y avait une chance sur 4. Est mort, aux abris. Merde, je vais crever. Oh, ah oui, je vais crever. Je suis trop low. J'étais beaucoup trop près de l'explosion. Bon, pareil, j'ai pas le temps de fuir.
Putain. Je sais pas s'il y a d'autres salles. Bah par là. Pour creuser là, faut pas pour heure. On peut passer quand même. Ouais ouais c'est bon. Mais pas besoin de moi là. Par boucle sur la salle d'avant. Ah non, j'ai pas dit que y avait besoin de toi, mais j'ai dit qu'il y avait la suite, y avait de la suite par ici. Ouais, j'ai dit qu'il y avait besoin de la forêt pour creuser le truc, mais tout le monde est passé dans le petit trou en laissant glitch à travers. C'est ça. Alors que normalement, quand on voit juste un petit caillou au milieu de la route, on appelle le forêt pour qu'il excave. Et des gens sont déjà passés par ici. Il y a même des trous dans les murs. Ce que je disais, ça reboucle sur la salle d'avant. Ouais, tout à fait. Bon, bah, ça me permet de récupérer 3 fleurs d'apoca, c'est pas mal quand même. Ça fera un peu de bonus XP. J'ai eu l'apoca sur moi. Quelqu'un peut être une plateforme là pour que j'aille récupérer du sucre. Bien sûr. Bah, quelqu'un, c'est moi en fait. Ouais, mais je ne sais pas. Qui suis-je? Je ne sais pas qui était l'ingénieur. Je suis un ingénieur qui a même pas posé une seule fois sa mitraillette. En fait, tu parles d'un bon ingénieur. Ah, je suis. Pas du tout au bon endroit. Ah, je me suis cassé. On va avoir fini la mission en tout cas. Je suis là, je prends du ravitaillement. Allez, on se casse. Voilà. On se barre. Bon bah laissons le corps ouvrir la route. Pour l'instant, vous avez pas besoin de moi. Pour l'instant. Mais j'ai vu que la salle avait des. Enfin que les salles avaient des formes bizarres donc. L'ingénieux, ouais, c'est moi. Ouais les mecs ils se barrent, ouais. Vous savez, quand y'a plus rien à faire, on va pas camper là. Hein. On a d'autres grottes à fouiller. Ok, je te couvre. Merci. Et sachant que toutes les 30 minutes y'a des nouvelles grottes, et y'en a quoi ça en général? Y'a combien de missions différentes en général en même temps? Une vingtaine? Facile hein? Oh, plus. Même plus, donc. L'un et demi. Ouais, bon, alors. C'est dire qu'on pourra jamais toutes les fouiller avant que d'autres apparaissent. Donc, ouais, on se casse. Hop là, un peu de mine de proximité. Ça va péter dans tous les sens! Viens là. Parfait. Et l'oppresseur, il est oppressé. Il a pas fait. Il a pas fait 3 pas, l'oppresseur. Ah, il est sur le pied de la capsule, ok. Ouais, on arrive. Une descente aux enfers, alors si t'appelles une plongée abyssale, alors on en a déjà fait, par contre on peut tenter la élite si vous voulez voir ce que ça donne. MDR. La élite, on passe la première. Ah, ça dépend. La élite, on passe la première place, je te préviens tout de suite. Bah, il paraît que celle-là est facile. Quoi, c'est cette semaine? Il paraît. C'est pas moi qui le dis, c'est un mec qui a 400 niveaux, hein, donc. Ouais, mais un mec qui a 400 niveaux et qui joue en Dangerous 5. Hein. Ouais, bah oui, je sais bien. Nous, je joue déjà pratiquement jamais en Dangerous 4, en 5. Non, bah, de toute façon, on est en live, on peut leur montrer une fois. Hein. Mais pas tout de suite, faudra être un peu patient. Faudrait essayer de s'habituer à jouer en Dangerous 4. Hein. Ouais, Dangerous 4, on s'amuse, mais. Ouais, c'est vrai que Dangerous 4. Wouah! Je crois que c'est ouvert! Maintenant! Ouais, c'est ouvert! L'intérieur, vite! On se casse! Rock'n'Stone! Oh, l'oppresseur devant la porte d'entrée, c'est pas cool! Ouais, non, c'est chiant! C'est pas très urbain! Non! C'est pas très urbain, non, pas, monsieur! Veuillez dégager! Ah oui, d'accord, on a 4 styles très différents. Ouais, ah bah le tien il est particulier. J'ai un chapeau melon, tu peux rien dire. Ouais, et t'as la pilosité qui va avec d'ailleurs. Ah, je joue Trifion Tournesol. Ah oui, c'est vrai que t'aimes bien faire du. Comment on appelle ça? Merde. Du cosplay? Oh ouais, t'as fait du. Ouais, c'est ça, du cosplay, ouais. Non, je fais du cosplay de personnages célèbres avec mes labos.
Mario, il a Ganondorf, il a Eggman. Je crois qu'on a la même mission, Flo. Ah putain, on a pas. Ah non, moi non. Ah bah non, moi c'est. Moi je faut que je sélectionne un truc parce que j'ai pas d'affectation. Bah moi je finissais ma mission pour avoir le troisième arme du scout. C'est la celle qui me manque. Chasse au noyau hebdomadaire, commence affectation pour les pompes et du pétrole. Trois scripts. C'est la même mission que Flo. Parce que. T'as quelle mission là, Daned? Là, c'est. Il me reste la troisième mission du. Comment il s'appelle ce fusil là? De la carabine à plasma Drac, et c'est de la. Merde. Extraction. C'est de la merde. Merde. Et ben on peut faire la tienne, et puis comme ça après tu pourras prendre la chasse au noyau hebdomadaire et voilà, tous les trois la même, et quand on aura fait deux... Et ben on aura fait tout ça. Allez, on fait ça. Et après on sera heureux et on sera débile. Et ben alors, on va faire alors, ça. Par contre la backbreaker va être utile. Voilà, donc... On reste en danger 3 ou on passe en danger 4? Danger... Ah c'est de la quark. À quark, je préférerais rester en danger 3. D'accord. Après, pour les prochaines, ouais, on peut passer en danger 4. Ça peut être rigolo, mais bon. On passera en danger 4 après. Allez. Alors, si on passe en danger 4 sur celle-ci, je sors le soldat, moi, quoi qu'il arrive. Non, mais au tour d'après. À la mission d'après, on passera en danger 4. Ah, okay. Sur celle des aquarques, je préfère rester en danger 3. Voilà, on va rester soft. Y a des Juste. C'est quoi vos équipements à vous? Vous êtes équipé de quelles armes? Bah justement, je viens de changer. Normalement, j'ai le découpeur plasma aller-retour et j'ai le fusil intelligent. Fusil intelligent et découpeur plasma aller-retour, donc. Donc je suis pas du tout fait pour récupérer des gros lots. Si, oui, je peux tirer au coup par coup. Je peux tirer au coup par coup avec le fusil. Mais oui, mais le fusil. Ouais, t'es pas trop bien équipé pour une collecte d'aquark à cause de la quantité de saloperies qui nous tombent dessus. Bah après je peux changer, hein, je peux passer en fusil à pompe. Hein. Non, mais le découpeur ça va être très très bien. Tu passes aller-retour, tu fais? Ouais, je fais aller-retour sur les... Ouais, je prends que ça, j'adore. Donc tu seras notre arme contre les gros stremons, donc à partir de prétorien et plus gros. Soldat, c'est quelles armes que t'as toi? Morgane. Canon, pistolet, rafale. J'hésite, fusil. Canon, pistolet, ouais, bah donc toi t'es vraiment fait pour retirer les vagues. Pistolet, rafale en mode stun. En mode stun, excellent, donc c'est excellent, tu pourras stun les ennemis avant qu'ils se prennent le coup d'aller-retour tondeuse à gazon. Et moi, l'ingénieur, j'aime pas. Moi j'ai le canon à glace et le pistolet normal, le pistolet à coupant. Je peux passer en fusil à pompe, hein, moi, sinon. Le canon à glace? Ouais. Ah. En vrai, t'as déjà débloqué le lance-prout? Ouais. Le lance-prout, c'est bien aussi. Je coupe le live 2 secondes, minutes. Je passe en 60 FPS. Qui avait dit qu'il était pas fan. Le lance-glace, le problème du lance-glace, c'est que. C'est pas très loin. On est de retour. Voilà. En fait, le problème du lance-glace, c'est qu'il fait peu de dégâts au début et qu'il faut geler les cibles. Donc il faut rester longtemps dessus. Yeux. Et si tu restes longtemps dessus, t'as plus de chances de toucher tes alliés et de les geler, et c'est chiant. Je peux prendre le lanceur, moi, je... C'est un forward responsable qui a pris la compétence sympa. Ouais, bah, je fais mais ça ouais, change pas le changement de température. Et moi j'ai une carabine à plasma, ouais c'est le meilleur truc que je puisse prendre en... avec le nom qu'il y a. Alors, réservoir de capacité, carburant triple filtré. Je vais passer au fusil à pompe plutôt, tiens. Il change rien, mais pas de dispersion, c'est encore mieux. C'est quoi? C'est de la magnite à acheter. J'ai combien de sous? Ouais, ça, ça déchire les. Okay. Est-ce qu'on peut y aller? Je rappelle qu'il y a des gens qui nous regardent et qui s'ennuient. Mais tu viens de relancer le live donc. Oui, bah ça y est, si c'est bon, tout le monde est là. Non. Tout... Ah non, moi j'ai rien. Bah actualise, moi je suis en live, on est plusieurs à être là. Est-ce que je garde la GCI ou est-ce que je prends la cryo-grenade si t'as pas le lance-glace? Oui. Cryo-grenade, go. Allez, moi je suis prêt du coup. Moi aussi. On peut donc passer en danger 4. Hein, vous voulez passer en danger 4? Bah si on s'équipe correctement, danger 4 ça se fait. C'est vous qui voyez. Et puis ça fera de l'entertainment pour le live. Ah ça. Allez. Ok, alors, parce que je reste au fusil à pompe, oui, je reste au fusil à pompe.
C'est parti. On va vraiment manger nos morts. Il va falloir faire vite. Ah ouais, il va falloir rusher, hein, putain. Alors pour ceux qui regardent le live et qui savent pas, la mission de collecte d'aquark a une particularité. Les ennemis spawnent à l'infini et de plus en plus et plus en plus vite au fur et à mesure qu'on s'éternise. Ouais, donc danger 4 pour celle-là, c'est chaud. Voilà, donc on peut très vite se faire submerger. J'ai déjà réalisé des missions comme celle-ci où j'avais 2000 kills en solo. Ah la vache, avec sérieux un soldat. Oh putain, oui. 2000. Je devais, j'étais pourchassé en permanence, je devais sauter, tirer en arrière, récupérer les trucs en courant, les balancer, retirer, recourir, sauter par au-dessus, prendre les tyroliennes et essayer de charger alors que j'étais pourchassé en permanence. Et poser des boucliers quand pour recharger. Quand vous avancez de manière générale, j'aperçois que le bras a l'air d'être entièrement lent dans les quelques quarts. Genre, oui, plusieurs fois, il est tombé à court des munitions des grosses tourelles de la plateforme. Ouais, parfois même en multi. Alors que moi, jamais. Là, il y en a. C'est bon, j'ai ramassé. Ok, attends, j'ai... Non, il y en a encore au-dessus, je crois. Devant moi. Ouais, là, je prends cher, moi, direct. Pareil. En plus, ils sont solides, les tridents, quand t'es... Oh, la vache, les dégâts. Il y a le level 2, mais... Il y en a un autre là. Mais bon, il y a du monde aussi. Ok, c'est bon, j'ai réussi à battre la salope. Ok, il y a de la lumière. Ok, moi je suis déjà à terre. Hein. Oh putain. Je me Attends, suis pris une grosse vague. Ah non, t'es déjà à côté. Regardez à toi, Flo. Il y a du monde partout. T'es déjà à côté de Flo. J'ai commencé à creuser les aquarks. Fais gaffe, tu prends des dégâts. Merci. Ouf, ouais, une promenade de santé, ouais, ouais. C'est à peu près l'idée. On verra si on aura encore la santé, mais... Je vous balance les aquariums depuis en haut. Vas-y, je suis en bas. Et récupérer aussi un peu de nitrate. Si tu veux, t'es en mode... T'es up. Il y en avait, je crois, en haut, là. Par contre... je sais pas si je vais bien te placer. Je t'ai placé une plateforme là-haut. C'est un peu loin. Là-haut, ça peut se passer. Oh putain, attention, je me fais tirer dessus. Ouais, pardon. Mais... J'ai essayé de te la placer bien, mais je sais pas. Attends. Je la vois pas encore. Je me déplace pour essayer de la trouver. Elle est là-haut, et je crois qu'il y en a par là-bas. Au pire, tu m'en redemandes une, j'essaierai de faire au mieux. Je balance des grelots. Ok, je mets un peu de lumière. Ça permet de voir qu'il y a une salope. Juste ici. On a les gros lots en plus. Ouais, bah ouais, on a les gros lots en plus. Ouais. Tu l'as trouvé, c'est bon? Oh ouais, c'est bon. Mais je sais pas à quoi elle mène en fait. Bah, j'ai fait une plateforme, il me semblait que je voyais du bleu, mais peut-être que non. Bah, hein. C'était un cristal en fait. C'était ah un cristal de lumière. Merde, le mur. Mais merde. Y a des gros lots puants. En fait, la plateforme sert à rien, mais elle permet de repérer qu'il y avait des gros lots. Bon, bah, écoute. On va dire que. Hein, voilà. Les grelots puants, je les fais tomber, mais pas assez bas pour tous, apparemment. Ah, je me fais casser la gueule. Voilà. Et alors, après, si tu veux, il y en aura un là. Je te fais un truc tout de suite. Par contre, c'est très haut, hein. Je sais même pas si tu pourras y aller. On se le jadise. Yes, bien vu. Je me promène. Là où t'as dit. Là où t'as pointé, ingénieur. Il y a la plateforme là-bas? Ouais. Il y a une plateforme, ouais. Ok, je la vois. Je vais pas encore y aller parce que je suis. Et après, il y en aura un autre ailleurs où j'ai repéré, mais je te ferai le point après. Attends. Il y a des crasheurs de toiles. Ouais, je sais, c'est un peu la merde. Donc oui, hein, faire cette mission-là sans un scout, c'est du suicide pour moi. Sans un soldat surtout, parce que le soldat oui permet vraiment de... Oui, aussi, mais scout, de je sais. Des tyroliennes et de... Non, c'est une autre, j'utilise. Bah le trio en fait, hein, scout, ingé et soldat. Tu vas parler Morgan? Ah putain non, je tombe! Ah merde. La plateforme était trop courte, quand j'ai essayé de prendre le mur, bah j'étais... Je peux venir t'aider si tu attends deux secondes.
Et en plus, hop, t'es tombé à un endroit où j'aurais pu facilement te récupérer s'il était tombé 2 secondes plus tôt. Non mais j'arrive. Génial. Non c'est bon, je m'en occupe. Mais je suis sur... Oh putain. Ok. Bah si tu veux quand même monter, vas-y. Hein, mais... J'ai déjà plus que la moitié de mes munitions, donc... On se retrouve sur la base ou... C'est bon. Oh oh. Ah. Ok, ça va être tendu du cul. J'ai déjà plus de vie. On a plus de soldats, donc ça craint. On a plus beaucoup de soldats. Okay, bah, si tu peux. Il faut que je me regarde, j'arrive. Moi, je reste à la base, moi. Ah, c'est avec vous. Personne n'a mitra à déposer. Si, 17. Non, attends, okay. Il faut d'abord abattre les trucs qui me tirent dessus. Ok, j'ai déposé. Il n'a pas assez, mais j'ai déposé. Je suis mort. Je ne sais pas comment ça m'est arrivé. Salut Zikino. Au fait, j'ai ressuscitation instantanée là. Si vous êtes vraiment dans une situation déplorable, vous me sauvez. J'ai l'impression qu'il y a un prétorien à glace ou une menace vers le nord. Il y a une menace, il y a une menace, ouais. Marcel, mais on n'arrive pas à la voir, il est trop. Ouais, bah, surtout moi avec mon arme. Elle est partie. Même avec l'accélération des balles pour la mienne, ça va pas assez vite pour pouvoir l'atteindre côté aussi haut. Moi, si je pouvais lui faire un aller-retour de laser, ce serait rapide, mais c'est chaud. C'est trop loin. Ça arrive par là. Et là on perd du temps. Ouais, complètement. Niveau à... Putain, elle tire, elle est où? Elle est morte. C'est bon. C'est bon, bien joué. Sinon je t'en avais placé un autre de truc de quark, mais je sais plus où il est. Merde. J'en vois deux d'ici. N'hésite pas à les marquer, hein. Et un ok, là. Celui qui est là-bas, je le marque. Ouais. Et un là. Et un là, aussi. Effectivement, t'as de quoi aller en prendre. Ok, donc celui-là, vous y allez, très bien. Ok. Damnet est mort ici, d'accord. Je vais essayer de... Prenez votre temps. Ah oui, d'accord. Attends. Il y en a de l'autre côté, mais c'est à peu près pas mal déjà. Il est où le quartier que j'ai jeté ? T'as pris Morgane ? Oui. Non, Morgane ? Tu as récupéré la quark que j'ai jetée là ? Oui. D'accord, merci. C'est bon. Non, le scout n'est pas le souffre-douleur parce que ce n'est pas Dacus. Il y en a un là-bas. T'en as un là aussi. Juste au-dessus, t'en as un si tu veux. Quoi ? Ta quark, t'en as deux. Un au-dessus, je t'ai marqué. Et un là-haut. Je te fais une plateforme aussi. Il y en a déjà, je crois, des plateformes là-haut. Ouais, je vais essayer de m'accrocher. Putain, je peux pas. J'arrive. En fait, le mur sur lequel tu vises est penché à alors, 70 degrés. Bah, je vise sans lumière, hein, donc je vois pas vraiment ce que. Oui, mais parce que je peux pas mettre de lumière. Ah, bah oui, parce que là, y'a des. Putain de vermine de merde. Ouais, voilà, c'est pour ça que je me suis éloigné pour pas qu'on meure tous les deux. Salut Squash. Et salut Squash. Voilà. Beaucoup mieux. Putain, on a que 4 grelots quoi. En même temps, on a pas trop le temps de regarder au plafond. Vous en avez un. C'est bon. Donc, merci beaucoup. Donc, on disait. Déjà, on disait que je mets de la lumière. Correct.
Ça va pas être mieux ça. Faut pas y faire pour mon trail en fait. Ah mais c'est super chaud à les placer ceux-là. Ou alors je suis super mauvais aussi, c'est possible. Les deux sont possibles. Okay. Déjà je suis monté là pour voir. Je pense que si tu viens là où je suis, tu vas pouvoir monter tranquillement. Attends, deux secondes, j'attends que ça se calme devant moi et que j'ai du bouclier. Ok. Et toi tu es en haut. Là, si tu viens là où je t'ai mis un repère, de là tu devrais pouvoir y monter, je pense. À peu près par là. Je pense. Je reste pour surveiller, mais. Ouais, on est bien. Ok, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. Juste que je pète le plafond. Par contre, s'il faut creuser, moi je peux. Ouais, mais faut que tu puisses monter aussi. Ah putain. Tu veux mettre une plateforme à pied? Ah, tes pieds, t'es où? Ouais, putain, attends. Il y a le corps en dessous. J'arrive, putain. Là. Ouais. Parce qu'elle est bien là. Non? Ouais. Oh, l'oppresseur. Ouais, mais il y a un oppresseur. Hop, je descends. Oh shit! Je cours mettre en sécurité et Ouais, bah laissez tomber pour moi. Et je tire en arrière, je. C'est chaud. Oh putain! T'es vers où? Oh, t'es au-dessus. Ouais. Salut Bigadin, salut Frag. Ah! Hein, 65? Wow. On a 65 spectateurs? Il a craqué mon truc ou? Bon, bah je suis mort. J'ai été abattu en plein air. Ah, bah oui, Bigadin! Bah merci Bigadin qui nous fait un raid de 56 personnes. Bonjour les 56 personnes, on est en train de mourir. Voilà, vous venez dans un moment non glorieux. Hein. Ouais, le danger 4 de Deep Rock, il rigole pas quand on est nouveau. Enfin, on a deux noobs sur le jeu. Wow. Et moi je ne sais plus jamais. C'est sympa. Ouais, salut tout le monde en tout cas. Et bienvenue sur du danger 4 Deep Rock Galactique, on est en mode galère. Tomber. On compte sur Morgan qui est le seul encore vivant pour nous réanimer. Oh, ça devrait le faire. Par contre, t'as une menace juste au-dessus de toi, heureusement t'as un bouclier. Ouais, putain, c'est clair. Va falloir venir nous chercher quand même, Graz, hein, tous les deux. Hein. Oui. Je pense qu'ils vont galérer. Hein. Ouais, surtout toi parce que t'as un oppresseur et un trancheur sur toi au bord d'un mur. Moi ça va mieux. Ça bouge un poil plus que Blood Bowl 2. Ah ouais, bah c'est du temps réel. Hein. Dans un jeu où qui veut ta mort, donc forcément. C'est comme l'Australie. Ok, là ça va venir. Je pense que c'est l'échec. Oh, sérieusement, il y a l'oppresseur qui était au-dessus qui m'a touché de là. C'est honteux. Allez Flo, courage, mais t'as un oppresseur devant toi. Moi je tenterai pas. Je peux essayer de te battre, mais le problème c'est que c'est un oppresseur et que toi t'as qu'un. Ouais, moi je le ferai pas, Flo. C'est compliqué. Flo, je le ferai pas. Non, attends. Flo. Putain. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah rien, mais t'as des couilles, hein. Oui. Tu fais une crise épilepsie. Ouais, bah là, bon. Ah, il s'est mangé le fiac. Ouais, bah là, ouais, malheureusement. Bon, bah voilà, c'est un échec pour le danger 4 dans cette mission. Il y a un petit glyphe qui m'a grignoté. Ouais, je l'ai vu ouvrir. Mais l'oppresseur qui m'a déglingué à 8 km, c'est honteux. Bah, apparemment, ils font des dégâts en sphère et non pas en cercle. Donc, tous les gens qui regardaient, alors pour info, c'est effectivement, mais là c'est parce qu'en plus j'étais pas en vue FPS, donc quand on regarde la caméra des autres, c'est en vue TPS du coup. Et les gens disaient qu'il y a trois qu'on dit que ça leur donnait envie de gerber, du coup, c'est vrai que ça va dans tous les sens, c'est pas très agréable. C'est sûr. Voilà, là ça va être un peu mieux. C'est qui l'un d'eux qui s'est dit qu'on pouvait faire une mission d'accroche contre 4? Moi? Ouais, bon, on va pas le faire. Je me suis dit que si on était bien préparé, ça passait, mais du coup, on va la refaire en danger 3. Je vais compter sur les bulles, chier. Ouais, ces missions-là, franchement, surtout celle-là, hein, pour le coup. Allez, une petite bière, petite musique, et on repart en danger 3.
C'est quoi la bière, c'est la même. Voilà. Ça vous file pas une crise d'épilepsie, ça? Hop. Ouais, je suis dedans. Quelqu'un a pas pris sa bière? Ouais, si. La mission s'appelle quand même Tristesse Infinie. Ouais. Le signe est content. Tout le monde a pris sa bière? Oui, oui, on s'attend. Ouais. Allez, voilà, j'étais en train de danser un peu pour les gens. Allez, on est reparti. Cette fois-ci, on va essayer de faire mieux. Bon, oh, danger 3, ça devrait être mieux. Là, on a probablement perdu Bigadin, Squash Belge et Cagouins. moi, ouais, mais Danger 4, ouais, mais alors sur ces missions-là, non. Moi, je veux bien Danger 4, mais quand on n'est pas assez habitué pour faire de la Quark. Je trouve que la Quark, c'est chaud quand même. Hein. Pour le Oula, si on est vermine. Déjà là, la Nitra et 3 aquarts au même endroit. Est-ce qu'on a un... Est-ce qu'on a un coureur qui pourrait bien venir ici et... J'arrive, je prends la croix qui est juste dessus et je vais plus tôt. Ah! Allez, bisous. Elle a vachement moins de dégâts. C'est marrant, il y avait une jadis, elle était extérieure en fait. C'est-à-dire qu'il y avait les petits trucs verts, mais elle était contre un mur à l'extérieur. Il y avait juste un coup de pioche et elle est tombée. Ouais, ça arrive des fois. Bah voilà. Des fois, il me permet de j'arrive. Ah ouais? Vous voulez me mettre où? Bah là où je suis en train de miner les aquarques, parce qu'en fait il y en a plusieurs au même endroit. Donc si tu peux utiliser des foreuses pour les retirer. C'est juste à côté de la plateforme d'ailleurs. Ouais, tu fais le tour là, je suis. Oh, il y aura bien une pondeuse. Dans cette zone il y en a plusieurs, donc si tu peux mettre un petit coup de foreuse et tout sortir pendant que on récupère les ressources. Alors, c'est bon. Et n'oublie pas qu'il y a des grelots puants à récupérer. Ouais, mais ça viendra, ça. J'ai une. J'ai pas l'impression qu'il y en a une deuxième. J'en ai déjà récupéré une, donc en fait, il y en a peut-être que deux. Il y en a peut-être que deux. J'en ai compté trois, moi, mais que deux. Ok, là-haut, par contre, j'ai l'impression qu'il y en a trois là-haut. Faut jamais qu'il y ait une pondeuse. Ok, j'ai de l'ennemi. Ah, et j'ai récupéré un gros pion qui était par terre. Il y a une pose là-bas. Oh, si le soldat veut bien tirer dessus pour que ça se fasse plus de dégâts. Nous. Youhou. Allez, on va ranger les ressources. C'est bon, il est mort. D'accord, ici il y a donc... Rien. Il y a comme quelque chose, mais en fait... Hop là. Cinq sur sept. Ah, et un crasher aussi. Pas moi. Ah.
Hop. Oui, non, je suis juste au... je me suis mis juste en dessous de, du fil de Graz. Pas de Graz, de Morgane, de Bob, d'accord. D'accord. Oui. Je mets les fils. Une jadis ici. Ah, j'ai déjà récupéré. Et je vais les récupérer les trois apports qui sont là. J'ai un tunnel, je vais aller voir ce qu'il y a au fond. Merci Morgane. Déjà, j'ai un casque. Je télécharge les données. Ah punaise. Alors je regarde le terrain. Ok, il y a un truc à creuser. Allez là en fait. Die, monsters. Mais lâchez-moi. Wow, cassez-vous. Bisous. J'entends des bruits de... Ah oui, d'accord. Non, tu dois avoir un trou devant toi pour céder. Hop là. Ah bah, c'est bon. Ok, j'ai ramassé ce qui est tombé par terre déjà. Il est ramené... Bah, par terre, il y a Flou aussi apparemment. Merci. Ah, par contre, pour aller chercher... Par terre, étage d'en bas ou par terre, étage d'en bas? Non, c'est bon, il m'a... Bah gentiment, ouais. Gentiment. Non, je peux pas le dire, je suis gentiment. Une grave allégation. C'est bon là. J'ai pris tous les aquarts en haut ou pas? Non. Mais il reste plus d'aquark à mettre et on sera bon. Ouais. Et on a plus une grelot en bas. C'est bon, j'en ai un d'aquark qui traîne là. Allez gros lot, je vous en ai balancé un paquet. Hop, une aquark. Voilà. Une jadise, ça c'est fait. Instrument. Plus de grelot. Ah oui, effectivement, il y a pas mal de grelots. Ah oui, non, mais il y en a une dizaine par terre ici. Non, c'est que j'ai récupéré de bulbes d'or. Il y a aussi du... Non. Plateforme SVP. Plateforme où ça, pardon? Tiens. Là, sur la nitra. Merci. Bon, celle-là devrait bien se passer, en tout cas. Ok. Alors, il y a trop de différence entre danger 3 et 4. Ouais, il y a vraiment une différence. Hein. Il manque un gros lot. Ouais, un petit gros lot, on est déjà par terre, à l'étage supérieur. Sur la route pour aller chercher le casque, enfin, le trésor du casque. Ah, c'est vrai qu'il y a le casque à aller récupérer, alors il est où? Balance au bordel. Ok. Vers le sud. Ouais, j'ai repéré le point violet sur mon. Enfin, rose. Oula, oula. Il y a un chemin. Ah oui, faut y aller, ouais. Bec de la mitra. C'est bon. Alors attendez deux secondes. Ok, c'est là où il y a flou. Ouais, entre danger 3 et 4, c'est un peu chaud, hein, la différence. Je vois, vous êtes où? C'est ce trou là? Oui. C'est là. Ça m'est plus vite parce que j'ai déjà tout pris, mais... Hop là, récupérer le butin. Frappe masse. Nouvelle pièce de pioche. Ok. Oh bah on peut... Ah non, il manque encore le chrono. Que j'ai déjà balancé par terre. Et j'en ai un plus. Hop. Secondary objective completed. Voilà. Now finish the job. Oui, bah c'est bien que j'ai balancé par terre. Bon bah. C'est bien, on peut se barrer. On est parti. Lighting up.
C'est parti. Salut à toi Khazar. Et welcome parmi nous. Si des gens qui ont des questions sur le jeu, qu'on est quand même maintenant un peu nombreux. Enfin non, on est quand même 25. S'il y a des gens qui connaissent le jeu et qui veulent de temps en temps jouer, cherchent des compagnons de jeu, venez sur notre Discord, on organise régulièrement des sessions. Cette semaine, c'était presque un peu le temps. Ouais, c'est quasiment un par soir, ouais, et puis c'est pas toujours les mêmes qui sont dispo, qui viennent, y a toujours de la place. Même pour les nouveaux, hein, les nouveaux 1, on les fait monter, y'a pas de soucis. Ouais, ouais, à boire, faut que j'aille attraper un verre. Alors là, tout de suite, c'est un peu chaud, mais après, j'ai rattrapé un verre d'eau. Oh, shit. Professeur, je veux dire, en fait, c'est pas... Par contre, mon grognard, vous pourriez attendre le cramer 2 minutes. Non. Oui, il est au milieu, c'est pas la faute. Ah ouais, c'est... C'est pas le mien. C'est un petit jeu sympathique. Et avec une équipe de développement au poil. Ouais, aucun DLC payant, c'est que du... La seule chose payante, c'est des skins. Oui, je précise, aucun DLC gameplay. Les seuls DLC payants, c'est pour soutenir les développeurs et c'est des skins. Voilà, c'est tout. Tout le monde au même pied d'égalité. Pas de compétition dans le jeu. Et ça, c'est bien. Tout le monde évolue pareil. Personne qui est plus fort que l'autre. Après, c'est que du skill. Il y a quand même les overclock et. Oui, mais les overclock, tout le monde les gagne. C'est ça que je veux dire. Personne peut. Dans un jeu coop, c'est compliqué de faire du pay to win en même temps, enfin c'est... Bon, c'est quoi, hein. Bah tu sais, Zikino, même si ton groupe t'arrive pas à jouer avec eux et que t'as besoin de personnes pour avancer tes missions de base... C'est pas de soucis, hein. Mais, c'est toi qui gère. Oui. Zikino. Perdu, de l'autre côté. Effectivement, okay, je suis pas parti du bon côté. Bah d'ailleurs visiblement on va avoir une place. Pourquoi? Bah je suis content que Graz allait y aller. Non, je vais faire un aller-retour pour redescendre des carreaux de congé de quoi que. Horreur. Vous me suivez? Ouais. Viens ici, là, ici. Et mais oui mais j'arrive. Oh. On va être une explosion. Que j'aime ce laser. Ah t'as creusé. Tu sais très bien qu'on va toujours arriver par en dessous. T'aurais pu mettre juste une de C4 et. Mettez-vous dessus, mais en tout cas, si vous voulez passer à l'occasion, Zikino, y a aucun souci. Hein. Il suffit de prendre le petit rôle qui va bien et on ping régulièrement quand on fait des parties. Donc après, premier arrivé, premier servi. Et on est prêt à partir. Et je vais me prendre un verre d'eau parce qu'on m'a demandé de boire. On vous attend. Allez hop, je bois. T'es bien l'entrée. On attend. Ah, chier. Mais c'est à cause du foreur qui a crevé comme de la merde là. Oh, ça fait des trous du bon côté. Et en fait, y'en a pas un pour rattraper le train. Vous pouvez pas creuser au niveau de la rampe. Rock and Stone. Je reviens tout de suite. On va se faire une extraction de morphine. Va. J'ai une petite mission de type congèle. Fait. Voilà, niveau 22, c'est bien ça. Et affectation terminée. Fusil débloqué pour le scout. Good job. Weapon license upgraded. Wouhou. Et du coup, chasse au noyau hebdomadaire et on sera trois à avoir la même mission. C'est qui la quatrième personne qui l'a pas? Bah ouais. Si, mais c'est Morgan, il est déjà à la dernière mission en fait, donc il attend qu'on le fasse pour qu'on le fasse avec lui après. Et du coup ça va être un... Ah là ça va être fun, un raffinage sur site,
Ça, c'est cool. Ça, c'est une mission que j'adore. On pourrait tenter en danger 4, mais bon. Je sais pas trop, pour dire vrai. Oh. Bon, faut que je me fasse un troisième scout. Bah, j'ai pas débloqué la troisième arme du scout. Ouais, peut-être que je l'achète en fait. Oui. Lol. T'as des overclocks dessus ou quoi? Parce que j'ai un overclock pour le. Attends, je vais retourner. Je vais mettre changer pour le scout. Troisième. Bah, je sais pas, il faut que j'achète toutes les améliorations donc je ferai ça tranquillement. Est-ce que vous voulez garder les mêmes classes? Bah à la limite moi je peux jouer scout si tu veux. Non, j'ai, alors non, j'ai une je vais juste faire une dernière mission en ingénieur ou alors à la limite je peux faire foreur avec mon niveau 2. Pour terminer une mission de saison. Faut que je fasse 5 missions en ingénieur ou foreur ou à la limite je prends le foreur mais par contre il est niveau 2. Hein. Mais bon, pour faire des trous. Non mais vas-y, continue en ingé. Une dernière en ingé. Et après, par contre, je prends ce que vous voulez. Un sac à dos. Je reste en danger 3. On est en quel type de mission là? On extrait de la morkite? Ouais. Avec des ébonois sur les cavernes cristallines. Qu'est-ce que je compte avec ça moi? 1000. Comme vous voulez. Vu qu'on a tous les trois la même mission à faire. Oui, c'est pour ça. Est-ce qu'on reste pas en danger 3 tranquille? On est entre nous. Bien. Overclock équilibré. Carabine à plasma pour faire ce que tu fais. Ventilation agressive. Alors, qu'est-ce qu'on peut débloquer là-dedans? Ça veut dire quoi? AOE. AOE de feu. Area of effect, c'est dégâts de zone. C'est dégâts de zone, ouais. Je vais prendre mon scout chasseur. Mon scout chasseur. Avec Well hello Mr. Fancy Pants. Ouais, c'est vraiment pour débloquer des skins, hein. Un arbre cosmétique. Qui a pas bu sa bière? Moi. Pas moi. C'est mal, tu seras pendu. Bon, je reste en danger 3 quand même, allez va. On s'amuse à la refaire 30 fois. Ouais. Je prends le scout chasseur et puis ça se passera très bien. Hop, voilà. Ah, c'est la backbreaker. Ok. Come on, guys, we're leaving. Could you please? Morkite liquide. Ça va être fun. Boum, 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 boum. Quoi? Ah non, non, ah! Elle m'a accroché. Moi je t'ai vu te faire écraser entre la plateforme et la drop pod, mais... Il y a le bout de la fusée qui m'a accroché à la fin. Il m'a forcé à partir. Ah non, je paye un lagna. À la pêche à la mort qui te donne. Qui c'est qui est sorti au dernier moment? J'ai pas fait gaffe. C'était qui? C'était Graz, non? Bah non, c'était Morgan. Ah, c'est Morgan. Mais ça change rien. Hein. Il est là quand même. Hein. Quoi? Quoi? Il y a un prospecteur direct? Non, il est traversé. Ah oui, c'est pour ça qu'il a perdu une barre de vie. Ah, la violence!
Alors, j'expliquerai après ce qui s'est passé, parce que là, les gens vont dire, mais c'est quoi ce bordel? Moi aussi, je pose la question, c'est quoi ce bordel? Ouah, alors là, il y a eu un truc particulier, là. On vous expliquera. Oh, ce bordel! Ouais, oui, mort. Ça s'appelle la guerre civile. C'est show time, là. Ok, un au moins. Oh la vache, oh, je me fais défoncer. Ouais, j'explique après, hein. T'es pas là. Je suis mort. Deux secondes, hein, je vais venir vous aider. J'aimerais terminer les robots patrouilleurs avant parce que... Aïe, quoi. À toi. Voilà. Ah non, les robots patrouilleurs font beaucoup trop mal. Il est à nous, celui-là? Ah, on peut le pirater. Non plus. Non plus. Oui. J'ai du mal, hein. Voilà. Et voilà! J'ai cru voir un putain séquence. Ça y est, il est à nous. Ouais, il est là. Je vous explique après, En gros, lui, c'est un petit événement. Il se balade dans la map. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on est descendu, la capsule, qui est considérée comme un événement, un objet physique, lui est tombé dessus. Donc du coup, elle lui a enlevé carrément une barre de vie. Et du coup, à partir du moment où on lui enlève une barre de vie, il devient invincible. Et il envoie plein de monstres. Enfin, plein de robots. Donc entre ça et puis des fois, les aliens qui sont générés par le jeu, bah, ça a direct déclenché un event, quoi. Voilà. On peut pirater un autre drone, là. Bah, je vais le faire. Moi, je récupère le plus de ressources possible. Pendant que c'est un peu calme. Ah, c'était énorme ce démarrage. Voilà. Génial. C'est une cellule de données, non, qu'on gagne avec... Ouais, c'est une cellule de données, puis l'expérience, je pense, quand même. Bah oui. Expérience, mais surtout de l'expérience de saison. Ouais, de l'expérience de saison, ouais, c'est ça. Ok, donc... Il y a plein de buts insectes partout. Ah ouais, il y a des ressources de partout là. Ça, c'est les ressources secondaires. Puis là, on va se mettre un peu à miner. Ouais, GG, ouais, c'est. On prend, hein, moi ça me va bien le prospecteur, hein, comme ça. Hein. Tomber dessus comme ça, elle va vite. Non, mais ouais! Mais si on réussit, c'est cool! Et on l'a réussi, d'ailleurs. Ah, si, on est mort, mais on est ressuscité, donc ça va. Forer. Il y a de la jadis ici. Enfin, par là. Il y avait aussi de la jadis au plafond. Ouais, il y en a là aussi. S'il y a une plateforme, je vais bien y aller. Ah! Pourquoi t'es tombé là? Ah oui, d'accord. J'ai glissé. Ah. Alors, je dois donner un détail auto-bio sur moi, oui, d'accord. C'est quoi un détail auto-bio sur moi? Autobiographique? Je comprends pas ce délire. Qu'est-ce que je dois dire sur moi? Oh, les conneries de Twitch quand même. Bien les codes pour France. Ouais, je sais pas ce qu'il faut que je raconte. Quel est ton parfum de glace préféré? Je sais pas. Ouais. Autobiographique, ouais, bah, je sais pas moi. Oh là là. Je suis un grand fan de chocolat noir. Voilà. Je peux bouffer. Je suis capable de bouffer du chocolat noir qui est à 100%. Et c'est combien? Ça vaut combien de points de chaîne ce truc? 1500. Voilà. Oui. Je suis un grand fan de chocolat noir. Même grâce à ma copine qui m'a offert des box pour goûter des tonnes de chocolat aussi, je me suis encore plus peaufiné et voilà. Est-ce que c'est des chocolats Valrhona? Ah non, mais c'est pas que du Valrhona, c'est du bean to bar carrément. Donc c'est des chocolats qui viennent directement de petits producteurs partout dans le monde. Monsieur Dame Ned? Oui. Une plateforme là pour aller chercher, je sais, j'arrive, mais on me demande un détail auto bio, voilà. On part sur le ouais, chocolat. Mais j'aime le Valrhona aussi. Elle est bien ou non? Ah, voilà. Mais j'aime bien le Valrhona aussi.
que c'est que ça. Ah, bonjour. Veuillez s'il vous plaît cesser de vivre. Mais il y a tellement de ressources ici. Partout. Oui, non, cesser de vivre. Il y a un connard. Hein, tout ça. Pas loin de où je suis mort. Je sais que Graz est pas très sympa, mais de là à le blâmer pour ta mort. Je suis très sympa d'abord. Ouais, autobio, je comprenais pas ce que ça voulait dire sur le coup, mais... Là, autobiographique, oui, d'accord. Et je remarque que ça a intéressé beaucoup de gens, hein, mon détail. C'est une façon de dire que ça a intéressé personne ? Oui, exactement. Mais je m'y attendais. Je me voyais mal d'un coup. En général, le détail est plus rapide. Bah, je sais pas trop quoi dire. Hein. Dire j'aime le chocolat, bon. C'est vrai que c'est bien quand même anecdote. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais cela dit, le chocolat noir à 100%, vous en boufferiez, vous ? Non. Bah, oui. Chocolat noir à 100%, c'est juste de la poudre de cacao, c'est pas du chocolat. C'est du chocolat. Okay. Ah, si c'est 100%, c'est 100% de cacao. Donc c'est du cacao brut, c'est pas du chocolat. Ça existe. C'est parce que ça existe que c'est du chocolat. Ah bah. C'est du chocolat. Le chocolat blanc, le chocolat. Exactement. Oui, mais le chocolat blanc, c'est un mélange de cacao et d'autres choses. Pour le coup, le chocolat blanc. Attends, donc, c'est chiant ce bruit là. Le cacao. Il est où le gras ? Le pourcentage en chocolat noir, c'est un pourcentage en masse de cacao. Et dans le chocolat blanc, il n'y a pas de masse de cacao. Les gars, et ça ? Oui, c'est ça. On est en danger combien ? Je pose des cailloux, tu sais, il y a de la nitra. Je vais trouver une pompe, ça te galère. Il y a des exploseurs, par contre, ça c'est un coup étant. Laissez-moi partir, putain! Ouais, je crois qu'il y a fait le 2 de voilà. Je me suis fait gangbang. T'as un stick, toi. Est-ce qu'il y a de quoi se soigner dans le coin? On va prendre la volonté. Si, là. Voilà, c'est bon. Ouh. Ah bah je suis retombé à terre. Là, clos. Un petit clos porte. Il y a un autre connard à blinder pas loin. Ce que je dis, il y a un clos porte. Roger that. Supplies are coming. Scanner showed the weaver spilling out. Take out the rest of them, staff. On va aller le voir. Supply pod is here. Everybody collect ammunition. Drive. Je vais aller chercher Damned. Merci bon, bien, aimable. Ah, bon bah ok. Non, je vais juste survivre. Merci. Attaquez-moi trop loin. Laissez-moi tranquille. T'as besoin que je fasse un trou ou pas ? Ah bah ici il va falloir, ouais, je pense. J'aurais besoin que tu places le tuyau 2 un peu mieux, mais c'est... Bah ici, si tu pourras en faire... Hop, je suis en train de faire de la merde. Voilà. Magnifiquement fait de la merde. Les choses qui arrivent. Mais qui ne doivent pas arriver. Parce que je commence à construire les toyaux du coup. Magnifique. On peut surfer avec un gros truc dessus, je sais plus. Bah oui. Ah oui, il me semblait bien. Hein. C'est le principe. Hop là. Miné en bois quand même. Ouais. Ça c'est cool.
Youpi! Ça c'est calé. A secondary objective has been achieved. Bonus will be transferred to your accounts on mission completion. Alors, on en est à combien? C'est le dernier celui-là? Ah, parfait. Ouais. Les deux tuyaux sont déjà reliés aux pompes. Ouais. Là-bas et là-bas. Pourquoi Damien Flo n'hésitait pas à avoir l'italien. C'est parti. Ouais, j'y vais. J'en ai bien besoin, effectivement. Le minerai, tu peux en transporter, ça dépend... Pardon ? De base, c'est 42 chaque. Ouais, c'est ça, hein. De base, c'est 42 chaque. Compétence qui augmente ça de 15 et compétence d'armure qui augmente ça de 16. Ouais, je crois que je suis au max. Je crois. Je m'ouille un peu. Et Roman, allez, passez-vous. Je vais péter. Je prends le 3. Je commence à réparer. Je sais pas ce que je prends, mais je répare. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Pour réparer. Ah, ça flotte. J'aurais dû m'en douter. Je crois que c'est sa dernière fuite. C'est bon. Ouais, c'est cool, on a atteint 50 viewers. Ouais, merci à Bigadin du coup. Parce que ça... ça va pas durer très longtemps, live... mais. Pour un live, il y aura personne. Ouais, bah ça, le raid, je l'avais pas prévu. Bah, dimanche après-midi, t'as quand même plus de chance d'avoir un raid un dimanche après-midi qu'un. C'est vrai. Un vendredi soir. C'est vrai. Voilà. On est redescendu à 14. Hein. Les gens ils ont vu ce jeu, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'ils ont pas de goût. Ils ont pas de goût, ouais. Ou alors on les a fait chier. Ok, il y a deux oppresseurs, je vous laisse vous débrouiller, j'ai réparé. Bah y'en a un qui est mort déjà. Où est le deuxième? Il est là. This pipeline is fixed, but there are more outstanding issues. Le 3, c'est bon. This pipeline is fixed, but you need to clear all malfunctions in order for the refinery to run. Petit oppresseur, petit glace. Voilà. Bah oui, c'est bien 14, bien sûr. C'est très très bien. Well done. All pipelines are fixed, and the refinery is burning. Bon, c'est moins bien que 14 000, mais... Ah ouais, bah là... 14 000 sur du deep rock. Même les devs, je suis pas sûr qu'ils y arrivent. Si, si, ça s'est déjà vu. Sur deep rock, c'est pas impossible. Surtout, il y a eu des jours où des très gros streamers qui ont envie d'avoir 100 000 joueurs ont fait du deep rock. Genre Antoine Daniel et JDG avaient fait du deep rock une fois. Oui, c'est vrai. Là, il y avait bien 14 000 gens. C'est vrai qu'ils en avaient fait une fois, ouais. T'avais fait une découverte, j'ai pas encore regardé d'ailleurs la rediff de cette découverte, parce que j'ai peur d'avoir très mal à mon prop. Ah, y'a des chances. Il regarde jamais les tutos, donc Ah oui, non, JDG il était perdu dans le jeu, il comprenait rien. Réparer c'est compliqué quand t'as 3 exploseurs qui te posent dessus. Mais ça des lucioles. Oh, c'est bon. Bah écoute. C'est vrai qu'ils ont un gros cul vert fluo. Non, les exploseurs, pas ceux qui ont vert fluo, ceux qui sont jaunes, orange et qui taillent et qui vont. Qui démarre. Au plafond, attention.
Ouais, y'a un bourdon aussi là. Alors oui, hein, en ingénieur, je peux mettre une mitraillette. Je sais que je la mets jamais, je suis un mauvais ingénieur. Regardez, hop. Je peux mettre une tourelle. Y'en a un bourdon. Oh, tant mieux. Oh, joli. Merci. C'était quoi, c'était là? Ouais. Je suis pas j'ai essayé là, je suis pas fan. Oh, moi j'ai testé la hache hier, j'ai trouvé ça tellement bien. Ça fait tellement mal. La hache, c'est juste la meilleure arme. T'as la meilleure arme parce que t'avais été. Ouais, elle est tellement puissante. Ouais. Allez, on se casse. Puissant. Ça stun, ça sert sur les cibles uniques, tu peux la viser correctement, tu peux la récupérer, ça retire le terrain, enfin c'est incroyable ce quoi. Ouais ouais c'est cool. À côté de ça, la grenade hautement inflammable là, je sais pas quoi, c'est un peu nul à chier, on va se mentir. Et le truc de feu, enfin le truc de gaz, le gaz inflammable, empoisonne. Alors là par contre il y a vraiment rien à faire avec. Rock and Stone. Bah la mission c'est plutôt qu'on va le gros. Ouais, tranquillou bilou. C'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup d'accro, mais en même temps, il n'y avait que des glyphes démons. Oui, c'est pour ça que je dis qu'elle est passée sans accro. Je devrais gagner pas mal de... J'ai jamais vu d'accro, à part d'accro au sucre rouge ou d'accro... XP saison donc. Pas loin du niveau 200 Morgane hein, global là. Ça se rapproche. On va essayer de donner ça à ça, poum. Les points de performance ça augmente vite. Ouais, là, je viens de prendre un niveau et demi là. Enfin non, un niveau entier. Bon. Première mission, le noyau de matrice vierge. Vous aussi vous avez mule? Bah oui. Bah du coup. Mission du coup. Avec les mules c'est pas trop, de, pas trop mal la backbreaker. Après la backbreaker je trouve vraiment que c'est une des bières les moins utiles. À part si tu veux faire un speedrun à Quark mais Vous recherchez les missions plutôt que bien explorer les zones? Non, on explore bien les zones, mais sur les missions style raffinage, etc. En général, c'est pas des trucs avec beaucoup de couloirs. Donc, non, on est plutôt du genre à bien fouiller les zones. Non, si on l'avait rushé, ça aurait été bien plus rapide que ça. On peut faire une mission rushée là si vous voulez, mais. Ah oui, ça peut se faire! Mais là, c'était pas le cas. Ouais, on peut faire avec les mules si vous voulez. Je n'ai pas spécialiste du rush. Non, moi ça me fait chier de rusher. Après, c'est bien pour les plongées abyssales, parce que les plongées abyssales, il n'y a pas de matériaux à récolter et tu n'es payé qu'à la mission faite, pas aux matériaux récupérés. Ouais. Mais t'as quand même deux missions à faire, t'as deux missions principales à faire. Oui, mais tu fais les deux missions, mais tu les fais les plus vite possible. Et tu t'occupes pas des ressources, tu prends que le minimum nécessaire. Genre la nitra, tu prends que ce qu'il y a besoin pour te recharger et puis c'est tout. Par le plus vite possible. Est-ce que je reste? C'est que vous êtes 4, du coup je me rends pas bien compte des zones explorées. Mais oui bah oui, moi je stream que pour ma vue à moi, donc effectivement tu vois pas les autres qui fouillent partout. Hein. Eh mais on sait qu'on a exploré partout quand on voit plein de trucs par terre qui disent ouais toi t'es déjà passé par là et qu'il y a plus aucune ressource. Ouais c'est ça. Et on peut se repartir au travail aussi hein. Là d'un côté il y a l'ingénieur qui va poser les plateformes, le scout qui va aller les creuser et mettre de la lumière. Et pendant ce temps-là, le soldat et le foreur explorent, tu vois. Tout à fait. Ah,
Bon, c'est plus calme, j'ai l'impression, là, sans souci. Ah bah là, ouais. Ça a l'air d'être un biome de merde, là. Je sais pas pourquoi. Le meilleur champignon, c'est toujours nul. Ah bah c'est bien, par contre, il y a déjà une mule ici. Il y a une patte là. Alors, on... Ah déjà, allez, vous la réparez. Ah oui, d'accord. Ça c'est un rush, ouais. Mais bon, en même temps, c'est un peu de chance, elle est là dès le début. C'est grâce à moi, ça, je suis trop efficace. Oui, j'étais juste en bas à récupérer tes... cadeaux de... Mourez. C'est toi l'équipe, et c'est moi la meilleure équipe. Il n'y a pas meilleur travailleur en équipe que moi. Je suis le plus équipier de tous les travailleurs. Ça ressemble vraiment à une phrase de Donald Trump. Ouais. Allez, on reprend les missions classiques à couloir, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment à couloir, hein. Ce genre de mission c'est plutôt en grande salle. Ouais, c'est vrai. Il y a une mission, il y a une salle de départ, un couloir et une giga salle qui ressemble à rien. Ah! Et il y a une Betsy! Ouais, on l'entend. On va aller la libérer. Oh là là, on va aller libérer Betsy que vous entendez peut-être en fond. Qui fait des. Alors, libérer. Délivrer? Oui, délivrer. Oula, oui, libérer, délivrer. Je vais la geler en même temps. Chaud aussi, non? Oula, y'a de la vermine là! Y'avait Prétorien. Oui, enfin, c'est un Prétorien, c'est pas la peine de le signaler. Ouais, je le dis. Un crasher, tiens. Ah bah y'a. Qui me... quoi, hein? Qui m'a poussé? Molly! Non, je sais, mais... Ah, j'ai bien sa tête aussi, hein. Oh, coucou. Ok, lui, c'est Steve. Il y a un détonateur monstrueux, ça va, ça? C'est assez particulier? Ouais. J'avoue. Oh non, éloignez-le, il va faire tomber la... La quoi? La mule. Et une menace aussi. Ouais, c'est chaud là. Il faut pas qu'il fasse tomber les mini-mules, ça les fait bugger. Ah là, bon? C'est ça, viens voir papa. Ah bon. Fait. J'ai mis le sniper dans son cul, ça lui a pas plu. Merde. Ah, je l'ai raté, saleté. Oh, ça fait un petit trou. Oh, alors là. Il y en a un deuxième. Hop là, c'est bon pour la menace. Il y en a un deuxième. Pardon. Oui, il est juste là. Oh putain. Deux d'affilée, mais quelle purge. Encore un jeu qui veut notre mort, ça. C'est un cauchemar, mais c'est un cauchemar. Et la BTC est juste en face. Éloignez-vous. Mais pardon, je vous montre pas l'action, vous allez me dire. C'est vrai. Et c'est vrai. Je me casse. Oh, on me prend un... Non, c'est bon. Ah bah ça va, 2-3 à côté, c'est pas mal. C'est un peu aéré la caverne, je l'ai trouvé un peu fermée. C'est vrai que, ouais, c'est ça... On respire. Oh oh. Ah, la bête s'est réveillée du coup. Bah, je savais pas qu'elle était là. Maintenant, je le sais. Ça va, cela dit, putain, je les défonce les suceurs avec mon pistolet là. Ouais, moi ils me visent donc j'essaie d'esquiver ces tirs. J'arrive Flo, hein. Ah Flo, oh, ça va. Bah tu me donnes, c'est moi qui me pris tous les missiles. C'est bon. Mais t'avais qu'à pas te mettre devant. Merci. Et voilà. Donc on avait tiré avec nous, c'est ça maintenant? Faut la réparer d'abord. Ah ouais, j'y vais. Bon bah, je suis pas assez rapide, mais...
Voilà, on la redémarre à coup de marteau. Ça marche bien. Comme toujours. Et voilà, voilà, maintenant on a un allié. Pas un allié. Pour l'instant, moi j'ai réparé la bise. C'est un allié, comme un foreur avec du C4, quoi. C'est Cassine, c'est ma cousine. Avec une sur infini. Oui, c'est vrai. Oh, c'est moins dangereux que. Enfin, c'est moins dangereux que C4. C'est juste que c'est plus récurrent. Voilà, oui, c'est vrai. Et c'est juste que, contrairement au foreur, la bête C, elle, te vise volontairement s'il y a un glyphide sur toi. Alors que le foreur, c'est juste qu'il t'a pas vu. Oui, on va en dire général. Ça. Dis-moi, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, exactement, ouais. Je jure que des fois, je vous vois pas. Ou je vous vois trop tard. Genre, je fais meurs, glyphide, et puis je fais là, oh merde, il y avait quelqu'un. Jurer, des fois, c'est pas exprès. C'est ça. Des fois. Des fois. Il y a des jours où on me casse les couilles aussi, mais... Puis il y a des fois où votre sacrifice est nécessaire, et du coup, bah... Bon. C'est la seule option disponible, tant pis pour vous. Bon, sinon j'ai 48 de cropa sur moi, donc go. Bah on prend de la cropa. Voilà. Voilà. Bah c'est vachement bon la cropa. C'est un petit bout de fraise. J'allais dire demande. Il manque deux champignons. Heureusement deux champignons. J'en ai trois sur moi. Voilà. Bah, vas-y. Comment on peut lancer le machin? Comment tout de suite un ravitaillement à côté de... Pourquoi tu t'en es là? Tu dis à côté? À côté de la liaison montante? Bon, écoute, pas grave, on va se recharger sur celle-là d'abord. Oui, surtout qu'elle va pas faire long feu celle-là. En tout cas, pour moi, on a eu des missions sans bonus malus. Hein. C'est vrai. On se fait pas une installation correcte ou pas? Oui, le triangle, c'est sexy. Ça arrive par le nord. Arrêtez d'utiliser les points cardinaux, ça change de force quand on est pressionné. Arrêtez de me geler! Ah, je suis mort à cause du forêt. C'est ça. Ah, si, tu m'as gelé et du coup, j'ai pris 3 fois plus de dégâts d'attaque du prétorien. Et on me tirait dessus en plus, pas dans le dos. Voilà, en tant que, vais, que fou Betsy, ça arrive de l'autre côté. Bon, moi je protège côté nord avec Betsy. Ah bah elle a trouvé des trucs donc. Bon, moi je protège côté sud du coup. Protège côté saucisse. Ah là. Et alors? Putain, mais mes tirs qui passent à travers leur texture mais pas leur hitbox. Chiant. C'est bon. Ça c'est fait. Ça va tomber où? Ça va tomber là. Non. Ah. Tiens, si tu veux faire un peu de nitra. Grase. Un peu de nitra, ouais, on... Non, on a pas besoin. Bah, ça fait de l'expérience. Ouais, mais regarde, hop, on va brancher ça. Bon, tu viens, tu la branches. Okay. Je vais mettre un peu de lumière. Que feignon. Est-ce que... Non, pas la peine tout de suite. Ça t'amuse? Beaucoup. Qu'est-ce que tu fais?
Ah. Il s'amuse, apparemment. Il s'amuse. Samus sans armure, supplément armure. Il y a un BTC qui tourne dans un sens, moi dans l'autre, et... Tu veux faire un succès avec le câble le plus long? Non, et d'ailleurs je crois qu'il y a une limite à la longueur que tu peux avoir, parce que évidemment il voulait plus que je construise. Ah bah bravo. Mais arrêtez de le prendre en même temps que moi. Je prends pas moi. Et bah écoute, c'est bugué, je peux pas le faire. Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà. En fait, quand je visais E dessus pour le prendre, ça collait sur toi. Et moi je pouvais pas le finir. Le truc qui monte qui vole. Genre une raie là? Ouais, je vois pas de quoi tu parles qui vole là. Mais, oui, tu sais le truc volant qui. Bah, franchement, le bon bio là. Bon, c'est pas grave. Tu sais qui gratte le sol? Ah oui! Ouais, les récolteurs là, où je sais plus comment ça s'appelle. Ah, récolteur aussi, 4, 8. C'est parfaitement inoffensif. Ouais, c'est totalement inoffensif. Quelqu'un m'a brûlé. Les grenades incendiaires dans la zone de... de protection, pas sûr. Ouais, c'est pas, peut-être pas la meilleure. Menace. Et de la vermine. La menace, vous l'avez tué ou pas? Non. Oui. Ah, bah oui alors. Tiens, coucou Xebus. Oh tiens, tu tombes bien Xebus. Une question pour toi, qui n'a rien à voir avec le live en cours. Tu fais beaucoup de Battle Brothers en ce moment, j'ai vu sur Twitch, c'est très bien. Et j'ai essayé de voir si t'avais des rediffs sur YouTube, mais alors j'ai rien compris à tes rediffs. Ah oui, vous savez qu'on n'arrive pas à arriver jusqu'au premier épisode. Ah ouais, je suis pas arrivé à arriver. Ouais, moi non plus, je suis pas arrivé à arriver au premier épisode. Je me demande même s'il a été en VOD ou pas. Y a pas de nom, c'est un peu le Bronx. Donc est-ce que tu peux nous éclairer, tiens, parce que moi j'ai jamais réussi à retrouver le premier épisode. Voilà. C'est dommage parce que c'est intéressant tes séries sur Battle Brothers. Ouais. Et je voulais venir te poser la question, mais puisque t'es là. C'est le bordel, t'enregistres pas tout en VOD. Ok, bah ceci explique cela. C'est dommage parce que... Enfin, c'est dommage, je te comprends. Hein. Je suis promis à pas enregistrer ce que je suis en train de faire là, donc tu vois. Mais c'est dommage parce que du coup, ouais, bah au bout d'une semaine sur Twitch, y'a plus quoi. Et quand on est sur YouTube, vous savez que quand on était sur YouTube pour trouver des premiers épisodes, je sais même pas si je les ai même pas trouvés. Ah, je crois qu'il y en a même pas en fait. Ils y sont pas les premiers épisodes. Eh bien tant pis, ok, j'ai ma réponse. Attention, ça ouvre. Let's go. Au revoir, Betty. First kill. Bleu le aussi. Allez, je vais changer de classe un peu quand même, pour que les gens y voient autre chose que de l'ingénieur. Le soldat, tu l'aimes bien, hein?
Ouais, à la limite. Qu'est-ce qu'on a? Un overclock propre pour la nouvelle arme du scout. Ah bah c'est bien ça. Neurolasso, overclock instable pour le fusil intelligent. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas encore eu le temps de jeter un coup d'œil à Wartels. J'ai pas pris le temps de jeter un coup d'œil à Wartels. Mais aimant beaucoup Battle Brothers, faut que je regarde, hein, faut que je me fasse un avis. Mais je pense que... Je pense que ça te plaire. Ouais, mais je sais pas. J'ai un doute, mais je vais le regarder quand même, faut que je me fasse mon avis. C'est vrai, c'est vrai que le signe avait raison, Wartels, t'as un peu moins ce côté hasard. Dans Battle Brother, c'est beaucoup sur la chance, sur les pourcentages. Wartels, t'en as beaucoup moins. Oh, et moi tout à l'heure, je vais récupérer le skin fantomatique pour les armes de scouts, et je trouve que c'est plutôt classe. Le skin qui est tout blanc là? Ouais. Ouais, je l'ai, moi, je t'aime bien aussi. Bon, une fois que j'ai le drill dans le. Je veux dire un skin d'armes qui est pas complètement dégueulasse. C'est ça comme ça. Modification bot. Elle est riche. Elle est belle la comment ça s'appelle la bière Petogold le. À mon sens, c'est la plus belle shop. Ouais. Mais elle a perdu en 8e de finale sur le concours organisé sur le serveur. Je crois. Ah, de tous les jeux? Les gens préfèrent par exemple la Blackout Stout qui a un manche en point américain. Ah, oui. Parce que les gens n'ont pas de goût. Je vais prendre Scout, je vais changer un peu. Donc là, normalement, on a tous les quatre la même adaptation. Affirmatif. Ouais, attendez, faut juste que je refasse ma config pour mon troisième perso, enfin mon troisième scout. La mission préférée de Damned. Ouais, préférée, comme je disais, je l'aime bien en soi, mais au bout d'un moment, bon. Allez, je prends le scout, je vais tester la carabine à plasma. Si tu veux. Et avant, je vais aller forger parce que j'ai un overclock propre. Ah, c'est nickel. Attends, toi tu vas repasser sur. Ok. Moi, dans Drill Dozer, j'aime bien être la tourelle. C'est-à-dire que je prends soldat, je prends l'autocanon, je me mets sur la drill, je bouge pas et je bude tout ce que je vois à l'arrière. Pourquoi pas? Bon, j'ai pas eu le temps de faire le skin par contre de mon scout 3ème version. Alors, ma tout à l'heure ping. Projectile rebondissant. Ok, on verra bien. Je vais juste sans faire mon skin complet. On va prendre un truc comme ça. Et basta. Est-ce que j'ai pris ma bière? Probablement pas. Spot au gold. Bah écoutez, on est bon. C'est bon pour vous? Oui. On a la fragilité critique. Ouais, fragilité critique. Allez, je vais essayer de changer de casque au moins en attendant.
Attends, j'ai un problème de PC. Ah, il y a Windows qui casse les couilles. Il y a Windows qui essaye de se mettre à jour. Là maintenant, tout de suite. Bah, en fait, il est en train d'utiliser le disque à 100% et d'utiliser tout ce qui reste de proco disponible pour faire des trucs. Ah oui. Donc je lag un peu. C'est con. Allez, on va prendre ça. Tiens. Tapis. Hop, je suis de retour. Moi je suis dans sur le réacteur. Ah, j'ai envie de jouer scout. Hein? Tu veux jouer scout? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, j'avais dit que je prenais le scout, je l'ai dit trois fois, mais bon après. Oui, tu l'as dit trois fois, mais tu l'avais pas pris donc. Si. Moi j'ai pris scout, t'es encore un ingénieur. Ouais. Ah, attends, c'est oui, parce bon... que t'étais resté un ingénieur que j'avais pris scout. Vous voyez un Ganon Dwarf là? Non. Ah! Mais c'est bizarre parce que je suis censé l'être. Non, on verra quand le mission commencera, mais c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué, le changement de skin ne sont plus effectifs quand on est dans les... J'ai pas eu le temps de voir en tout cas. Allez, on va finir sur une mission d'escorte. En danger 3, ça va. Caverne cristalline. On est que dans les cavernes cristallines en fait. Et sinon, tiens, Flo, est-ce que ça te dirait ce soir de continuer Police Simulator? Bah oui, avec plaisir. Ouais, bah on se fera ça. Mmh. Au secours. Mais je pense plus vers 21h, non? Voilà. Ouais, 21h, ouais. Ok, alors qu'est-ce que c'est que cette arme? The drill dozer will automatically home in on the hearthstone, so your job will be to escort it and keep it running. Good luck, miner. Il y a le scout qui vient me voler toutes les sources de minerais pour qu'on en les récupère moins. Ouais. Il y a le scout qui sabote la mission. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, par contre, Police Simulator, oui, bien sûr, ce sera... Je le timerai celui-là, oui. Non, Deep Rock, c'est un peu compliqué de faire de la VOD sur Deep Rock, y a pas trop de but. Sauf quand on fait des trucs précis. Genre, on avait dit qu'on ferait la plongée élite, on l'a pas fait, mais bon. Tant pis, on fera ça un autre soir. On va être prêt? Non. C'est moi quand on est en train de piquer la mule. Ouais, pareil. C'est bon, tu peux la prendre. Mais oui, Police Simulator, c'est prévu. C'est une série, donc. Enfin, je le considère comme une série. Et j'essaierai de penser à faire de la VOD cette fois. Tu le rappellerais? J'en doute pas. Bon, on va peut-être éviter aussi de faire la voiture. Si. Bah, non, on va le faire, mais du coup, putain, va falloir. Ouais, ça va être chaud quoi. Faudrait peut-être qu'on se fasse. Ouais, peut-être vite fait, quelle heure il est? 8h26, peut-être après ça on se fera une petite tentative hors live de voiture. Ouais, elle fait quoi de particulier cette arme plasma? T'as juste beaucoup de balles dedans, elle chauffe, c'est ça? Oui, tu peux tirer à l'infini tant que tu surchauffes pas. Enfin, okay. Tu peux tirer à l'infini les jeux. Oui, on se comprend. Quand t'arrives à gérer la surchauffe de l'arme, t'avances quoi. Alors, faudra juste que je vois comment on voit qu'elle surchauffe. Boum! C'est autour de ton indicateur de munitions, il y a une. Et en plus, ça le canon devient rose. Aussi. Il y a plein d'indicateurs différents, mais globalement, ça marche bien. Ah, d'accord. Et là j'ai l'overclock balle rebondissante. Ah oui, non mais ça c'est particulièrement chiant par contre. Ah, parce que tu peux te les reprendre dans la gueule en fait.
Tu peux tirer sur tes alliés sans faire exprès. On verra bien. Après, dans les couloirs comme ça. Bon. Oppresseur. Oh, l'oppresseur. Ce qu'il a pris. Il est déjà mort. Ah oui. Et c'est oui, une machine inerte. Je vais monter plutôt plasma à partir de là. On va s'arrêter juste ici. Génial. Il n'y avait pas grand chose. C'est vrai. Mais il y a plein de ressources par là. Les ressources sont vachement hautes en fait. Donc je vais utiliser les tyroliennes. Ah quoi que, attends, là il y a un tunnel. Voilà. D'accord. Et une bestiole. Donc, un peu de dolomite. Un bleu d'orge. Une pépite d'or. La nitra jusqu'à là quoi. Ouais, putain. J'ai de la richesse, beaucoup. Moi aussi. Pas mal de choses aussi, ouais. Non. Tu dis ça parce que j'ai appelé la mule ? Ah bah ouais, au moment où j'allais déposer dedans. C'est ah bon. Bah oui, bah... Hein, bon. Je dis c'est bon. Ah oui, c'est vrai, on est en poteau gold. Oui. Quelqu'un veut bien m'aider à ramasser l'or là parce que je suis déjà plein. Je suis là à côté, je crois. Par contre, on est d'accord qu'en poteau gold, l'or compressé ne se multiplie pas. Mais non. Non, c'est l'or miné. Ouais, on est d'accord. Vous allez voir que ça s'applique à tout or qui n'est pas miné directement à la pioche. Avec le secondaire du foreur ou parce que. We gotta protect Doretta! Oui, Doretta a perdu une patte si ça continue. Oula, oui! Ok, c'est bon. Attends, j'ai fait un trou. Éliminé. Y'a personne qui vient de remettre un réservoir. Bah, y'en avait un en haut en tout cas. Moi, je viens de le terminer, puis je l'ai descendu. Ouais, attention, je me suicide. Ouais, faudra aller réparer du coup. Et par contre, je sais pas où est l'autre. Non, personne l'a réparé. Ouais, je vais peut-être la réparer quand même. Moi, je suis super haut, je peux pas me jeter dans le vide non plus. Donc faut que je redescende par la voie normale. Je vais le plus vite possible, j'arrive. C'est moi ça. Ah d'accord. Oui, on est en fragilité critique, c'est vrai. J'ai one shot l'oppresseur du coup. Ouais, effectivement, j'ai vu ça. Ah, c'est pour ça que moi c'est vite. Quelqu'un peut venir avec moi ici? Ou alors je peux appeler la mule peut-être. C'est ça, j'ai appelé la mule. Casse la gueule. Parce que là, tu vois ça. Ah oui. Ça c'est bon, ça c'est juteux ça. Ah oui. Mais je suis plein. Voilà. Ah oui, tu ressembles bien à Ganondorf, effectivement. Très ressemblant. Merci.
Vous allez ? Oh bah c'est parti alors. Et bah je prends un ravitaillement et puis j'avance. Oui, c'est marrant le Drill Dozer. C'est un peu. C'est que les missions peuvent durer un peu longtemps. Et forcément, quand tu l'as fait, bah, c'est une mission d'escorte. Sauf que l'escorte que tu fais, c'est elle qui te donne le rythme de base. Donc tu te sens pas. Tu te sens pas 3 mètres devant à dire oh, mais elle avance pas, elle sait pas se diriger. Et surtout, la mission d'escorte. Mais où l'escorte est super solide. Et où tu peux réparer les points de vie de l'escorte. Ouais, moi j'allais surtout dire que c'est sympa, mais des fois, bon, c'est vrai que ça peut être un peu chiant, quoi, ça dépend. Au début c'est très cool, et puis à fur et à mesure du temps, tu t'en lasses un peu, quoi. Voilà. Oui, c'est une des missions auxquelles c'est le plus rapide de se lasser. Hop. La découverte est géniale, et après... Non, on s'en lasse pas tant que ça, hein, en vrai. Non, ça va, mais... C'est juste que comme c'est toujours les mêmes phases à la fin de la mission, bon, c'est un peu dommage. C'est ça. Ouais, c'est ça, à la limite, ce qui manque, ce serait effectivement des variations au niveau du rush-cœur, quoi. Ça pourrait être cool. Ah, on va creuser à travers... ce mur-ci. Ok, on va creuser à travers de la jadis. Ah oui, effectivement, bah je la prends pas. Il y a de l'or juste à côté par contre. Oui. Bah hop, le jadis est par terre. Parfait. Alors je recharge mon arme. Voilà. Ok, je suis plein en or, je le mine quand même. Il y a des gens qui viennent chercher, qui veulent venir prendre de l'or. Merde. Faut qu'on arrive enfin, ouais. Hop là. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans cette salle là, hein. Mmh. Vous avez assez esquivé Vous avez assez esquivé dans les salles précédentes? Bah normalement c'est fait. Ouais. Ok. Alors je vais faire un truc. Il n'y a pas grand chose dans cette mission de manière générale. Hop. C'est bon ? Ouais, j'ai mis une petite tyrolienne au-dessus pour pouvoir avoir un bon point de vue un peu sécurisé. Moi je le mets sur le drill pour le réparer. Attrapeur. Je sais pas si l'attrapeur peut t'attraper grâce quand t'es relié. Si. Tu peux même l'attraper à travers un mur. Si les box sont assez pourris. Non, c'est ça. Un gardien qui part. Il faut que je suis au-dessus du cœur, là je vais me faire expulser en fait. C'est possible. Attends, je descends un peu. Oui, oui, il faut, oui. The dozer's just broken through the crust of the Omeron. Thank you.
Oh putain, il y a deux oppresseurs à un endroit. Non, un prétorien, non? Après, on est en fragilité critique, donc ça va. Il y a un prétorien et un... Moi, j'ai vu deux oppresseurs. Non, je crois pas. Peut-être. Moi, je crois qu'ils sont morts. Il y avait deux cuverts. Oui, il y avait deux cuverts, mais j'ai vu un prétorien dans le tas, moi. Mais ouais, ouais, ils ont bien pris cher. Non, c'est bon, je suis assez haut. Pas mal la fragilité critique hein, quand même. Pratique. Ça crève plus vite quoi. Et qu'elle va me remplacer sur le. Moi je suis toujours à côté. Ouais. Moi je suis toujours en hauteur, en mode sniper, un peu comme Graz. Ouais mais j'ai pu avoir de munitions donc ça va être compliqué. Je vais aller en prendre. J'en étais un. J'en étais un deuxième. Troisième. Ok, c'est bon. Je redescends, je vais me recharger. Swarm detected. Keep the drill dozer operational at all costs. Rayonneur de l'Omorax. Bon bah là ça sera difficile à perdre là. Oui oui non mais là on est tranquille hein. On est bien. Même les plus de rien à faire et attendre que ça s'arrête. C'est ça. Voilà. Et boum. Attention. Allez moi je descends. En termes de munitions... Ouais, écoute, j'avais assez de munitions pour rentrer. C'est bon, on rentre. C'est parti. Ah ouais, très d'accord, c'est bien visé ça encore, tiens. Ah, moi ça me gêne pas, hein, mais... Mais c'est de la merde. Au-dessus. Je vais mettre une tyrolienne. Ah, je peux pas mettre de tyrolienne, là. Ah, c'est vraiment horrible. Bon, bah, heureusement, il y a un foreur. Ah, il faudrait qu'elle trouve la rampe. Excellent. Bravo.
Merci. Je charge. Aïe. Et bah le petit marsouin, oui. Si Deep Rock est gratuit sur le PS Plus, quand il c'est vrai qu'il va arriver sur PlayStation, est-ce qu'il est cool? Bah oui. Voilà. Pas te dire le contraire. Oui, mais attention, il n'y a pas de, Ouais, il n'y a pas de cross-platform. Tu peux jouer avec les joueurs PS. Ouais. Il n'y a pas de cross-platform dans le jeu. PC avec PC, Xbox avec Xbox et PlayStation avec PlayStation. Alors Xbox et version peut-être. Windows là avec le Game Pass. Ah oui, tu peux y jouer effectivement avec ceux qui ont le ouais Windows sur le oui exact sur le store Microsoft. Mais du coup ceux qui utilisent par le Game Pass Microsoft ne peuvent pas jouer avec les autres joueurs PC. Ouais, c'est ça. Et vous, oui, c'est une fonctionnalité que les devs aimeraient implanter. Mais c'est tellement complexe pour un jeu comme ça que ils promettent rien. Ouais bah ouais. T'es sur PS5, tes potes aussi, aucun problème, et bah fonce, tu vas t'éclater. Après oui, le gameplay FPS manette, bon. Oui, ça voilà. Après chacun. Ça, c'est chacun qui boit son compte. Hein. Chacun a le droit d'avoir tort. Exactement. C'est juste que c'est quand même vachement plus confortable de se déplacer clavier-souris dans ce jeu. Ah bah. Et je crois que toutes les touches de manette sont pas bien mappées. Mais. Parce qu'il faut utiliser. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 7, ils ont dû prévoir ça quand 9, même. 9, 10. Ouais, il y a une dizaine. Il y a plus que ça en fait. Je crois qu'il y a, il y a genre 14 touches différentes qui sont utilisées régulièrement. Donc sur une manette, il est possible que certaines touches soient redondantes. Eh bien vous verrez ça. Ils verront ça. Attends, avec ça, je vais vous laisser. Moi aussi. Pareil. On va couper le live ici. Bah merci à tous ceux qui sont passés et puis je referai un petit live peut-être ce soir, ce soir avec Flou sur Police Simulator. Rien à voir, c'est fun aussi. C'est complètement con, mais c'est très drôle. Et bah merci à vous Morgan et Graz d'être passé. Eh bah de rien. Et puis bah une prochaine. Merci à vous aussi. Moi je sais même pas qu'on était en live, hein. C'est juste j'ai vu du Deep Rock, j'ai fait ok. Oh, oui oui, bah le live s'est lancé en mode à la fuck, mais c'est comme ça que c'est bien aussi. Sur ce, bisous à tous les gens. Merci. Allez, au revoir. À plus.